Kate Middleton est l'une des personnalités les plus suivies de la famille royale. La princesse de Galles ne manquerait pour rien au monde les événements du couronnement. Les fans risquent de voir à nouveau une Kate Middleton mal à l'aise et moins souriante. Il a fallu des mois de préparation pour faire de ce couronnement de Charles III et de son épouse Camilla Parker Bowles un événement historique mémorable. Les événements liés au couronnement du roi et de la reine d'Angleterre comprennent la cérémonie à l'abbaye de Westminster, la procession en calèche, l'apparition au balcon, le concert de couronnement ainsi que des défilés, rappelle le Mirror, ce 27 avril. Kate Middleton, en tant que princesse de Galles et membre actif de la famille royale, participera aux événements majeurs du couronnement de Charles III. D'après les documents de répétition du couronnement dévoilés par le Times, l'épouse du prince William participera à la procession en calèche avec lui. La calèche qui transportera Kate Middleton, 41 ans, et le prince William, 40 ans, ainsi que leurs enfants, George, Charlotte et Louis, sera la seconde après la calèche en or du roi et de la reine. Ce voyage en calèche risquerait de mettre mal à l'aise la princesse de Galles. Les fans de la famille royale se souviennent de l'air pas tellement dans son assiette de Kate Middleton lors de la Trooping The Colour 2019. Kate Middleton, ce précieux conseil que la défunte reine Elisabeth II aurait donné à la princesse de Galles à l'époque, la princesse de Galles partageait une calèche avec la duchesse de Cornouailles, le prince Harry et Meghan Markle. Ils se déplaçaient de Buckingham Palace à Horse Guards Parade, rappelle le média britannique. D'habitude souriante, Kate Middleton avait l'air déconfite et souriait à peine. À l'époque, le Mirror avait dévoilé que le voyage en calèche avait rendu la duchesse de Cambridge un peu malade en raison du mouvement de balancier. Kate Middleton, comme la reine Elisabeth II qui lui aurait recommandé ses pilules préférées, a le mal de mer. La vérité, si est-il que la duchesse de Cambridge a le mal de mer et n'apprécie pas le mouvement de balancier des voitures, avait révélé une source du Mirror. À propos de l'auteur introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ces derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril.